La Maison-Blanche fait connaître jeudi vendredi que Joe Biden reprend place li comme président des États-Unis après un examen médical dans le commencement de journée. Un examen médical qui était exigé pour transférer le pouvoir à la présidence là par le vice-président Kamala Harris. Dans un communiqué, la Maison-Blanche publié dans la même journée vendredi, responsable de l'administration a fait connaître M. Biden a subi une procédure colonoscopie pour voir s'il n'a pas eu cancer colon. Une opération quand ils ont mis des mouns en bas anesthésie et c'est ça qui a fait l'idée américaine obligation pour transférer le pouvoir par le vice-président Kamala Harris, Jean Constitution des États-Unis exigé lui. Pendant un point de presse jeudi, porte-parole de la Maison-Blanche James Saki précisait que président Joe Biden a téléphoné Mme Harris vers 11h30 du matin pour faire connaître une grande connaissance et que lui parie pour reprendre fonction président comme ça doit. Le président Joe Biden a participé dans un sommet avec le président mexicain Manuel López Obrador, avec le premier ministre canadien Justin Trudeau, pour mettre pour faire un investissement pour aider le Mexique à tacler pour l'immigration. Se va à invertir por parte de Estados Unidos en un programa que probablement se va a llamar Sembrando Oportunidades, que es la respuesta a lo que necesita. Le ministre africain de Mexique, Marcelo Ebrard, déclaré que le président Biden a annoncé aux États-Unis pour aller au Mexique. Un programme qui a créé opportunité en réponse à des demandes que le président Manuel Obrador a fait concernant l'Amérique centrale avec le Sud-Mexique. Dans le jour où nous allons travailler avec l'agence américaine pour nous donner plus de détails. Ce qui est important, c'est une réponse qui baille pour la proposition que le président Manuel Obrador a fait sur l'immigration en général avec l'avenir de l'immigration en Amérique du Nord avec l'Amérique. La même journée, jeudi 18 novembre, bonheur le matin, une deuxième caravane partie quitter la ville de Tapachula dans l'État de Chiapas, dans la direction frontière États-Unis partagée avec le Mexique. Que nous firmons un document où ces cartes qui se vont entregar sean tarjetas válidas pour tout le territoire national. Nous avons une commission. Le président Garcia a déclaré nous voulons un document signé qui montre quatre instituts nationaux migration mexicaine au fond pour régulariser les migrants. Valable dans tout pays sans aucune condition. Le caravane qui est parti dans Tapachula, le docteur Passea, déjà arrivé dans la municipalité de Chalanza, dans l'état de la Cruz. Autorités mexicaines ont déclaré qu'ils ont déjà légalisé plus de 1700 immigrants qui ont fait partie de Caravanza après avoir été acceptés pour quitter tomber l'initiative-là. Reste de la rejeté proposition autorité qui dit permis valable pour une année et que bénéficiaire. Capable de travailler et voyager et travailler n'importe où dans le pays. Et puis, je me suis dit qu'il était dit camion, bail, immigrant ou lit. Organisateur de caravane, responsable ONG Peps aux frontières, Irineo, Mouriga, dit qu'il espérait un nouveau caravane. Après tout, il y a un groupe de Akusla dans le jour où il y a soit dans la ville Akayukan ou bien dans Kouatsa Koualkos. D'après l'organisateur, le nouveau caravane qui est là-dedans, immigrants qui sont dans 12 pays, pour Haïti, Inde, Pérou, Venezuela et Haïti. Caravane marche sur une distance de 18 km pour arriver dans la ville. Oui, oui, tant côté au passé maintenant, avant de mettre tête aux villes Wixla, Bonnet vendredi 19 novembre. Ana Gomez, qui a 32 ans, déclaré qu'il partit quitter El Salvador ensemble avec trois timounes. Nous seuls avec l'UNESCO et lui déclarer qu'il y a espoir pour lui aux États-Unis et peut-être été au Mexique. Le maire déclarait ça qu'il y a un mois, quand nous sommes venus à Caïmouin, pour manquer, me remettre au petit chemin, sinon il y a plus rien. En attendant, l'autorité américaine a gagné au Louvre sur frontière, dans le moment de deux caravanes immigrants qui ont avancé sur frontière États-Unis partagée avec le Mexique, avec l'intention pour entrer aux États-Unis sans document légal. Nous allons finir Washington. Liberta! Liberta! Donc, Jean Aubert Philippe, ça tout est un rituel, une culture que de temps en temps, une caravane qui quittait l'Amérique centrale là, la donne gagne un monde qui sortit dans la région Amérique centrale là, qui sortit dans Caraïbes là, notamment Haïtien la donne, direction les États-Unis. Oui, contrairement à temps passé, Jacqueline, et caravane s'est reformé même à l'intérieur même du Mexique, particulièrement dans Tapachula, qui est sous frontière Mexique partagée avec Guatemala, donc dans la direction sud pays. Donc c'est déjà un problème pour les États-Unis parce que longtemps, caravane a été conformée dans le Mexique central là.
Mais fois ça, c'est à l'intérieur même du Mexique qui s'est voisin avec les États-Unis. Et nous, il faut que les États-Unis aient fait pour nous, dans quelle mesure ils vont bloquer et caravane ça, mais parler d'investissement que ils vont faire l'autre bois. Mais les Mexicains autour même, ils ont fait, ils font pareil. Ils ont dit qu'ils n'ont pas l'intention de bloquer progrès caravane, mais ils ont offert le monde qui voulait abandonner caravane, abandonner tentative là, ils ont offert un visa. Si vous êtes dans le pays, au moins visa ça, garanti, vous êtes dans le pays pendant un an et travaille dans un travail qui est socialement légal pour vous arrêter et subvenir avec besoin. Merci Jean-Robert Philippe. Petit petit 11 mois émerveillé chinois avec une vidéo qui montre a fait planche à neige dans un lieu vacances pour ski dans la province chinoise qui est Hebeila dans nos pays. Petit ça a attiré un paquet d'attention sur internet là. Il est Wang Yuji et c'est pas accident parents te joignent équipement pour faire planche à neige pour Timoun. C'est comme ça yo te vinn découvrir passion petite fille oa sans oublier talent ni pour sport ça. Malgré li poko ka marcher bien, ti petite là déjà fait planche à neige plusieurs fois. Dans lieu vacances ski Taiwu, moun te ka wè ti bébé a glisser descendre bien à l'aise sous mon nan pendant l'étape souri sous ti planche li a et puis joui dans soleil là. Li pas même crié le tombé. Papa servi avec une corde pour aller le monter mon nan. Corde là bay ti bébé a une protection supplémentaire et li servi comme frein tout si li t'a perdu équilibre ou bien descendre mon nan trop vite. Papa a pas gain trop qu'a sauté le petit petit là descendre mon nan pour compte li, mais gèlè mamzelle qu'on tombé descendre parfois. Pas occupé au papa a déclaré. Li gain une casquette pour protéger tête li s'il tombé. Pas gain danger. Li toujours qu'a essayer encore. Li important pour li gain tout équipement pour protéger. Par un petit bébé ça, pas athlète professionnel. Mes parents Ti Yuji adoraient faire sport et yo espéré stimuler intérêt petite fille à dans activité sportive avec sport dans neige. Yo dit yo invité yo entraîneur professionnel vinwa talent petite fille à gagner. Sandra Lemaire pour la Voix de l'Amérique, Washington. On a boule même ceci. Pablé bay vidéo ça un like, souterrain même partager à zanmo famille pour plus monde qui arriver joindre nous. C'est une façon pour ca supporter nous. Ciao ciao, on a quasi dans l'autre vidéo.